Le IL a décidé de changer de nom et de créer un califat islamique. L'enregistrement audio a été diffusé sur Internet au premier jour du Ramadan. L'État islamique a décidé d'annoncer la création d'un califat islamique et de nommer comme calife le cheikh, le djihadiste, l'imam et le descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Un titre qui désigne Abu Bakr al-Baghdadi comme successeur de Mahomet et donc comme chef de tous les musulmans. Fort de ses conquêtes sur le terrain, l'État islamique revendique ainsi un territoire à cheval entre la Syrie à l'ouest et une grande partie de l'Irak à l'est. Avec cette annonce, l'État islamique remet ainsi au goût du jour un régime qui a disparu depuis 1924 et la chute de l'Empire ottoman. Une manœuvre qui a notamment pour but de fonder la légitimité du mouvement sur le Coran en instaurant la charia, la loi islamique. Cette déclaration ne doit rien au hasard. L'Irak est dans une impasse aussi bien militaire que politique. Le 1er juillet doit s'ouvrir la session inaugurale du Parlement qui pourrait aboutir à la création d'un nouveau gouvernement. Voilà, il est 21h15 et on vient de changer nos piles avec Joseph parce qu'on est là depuis 19h30. Ce dernier débat donc qui va être consacré aux racines dans les différents pays de Daesh. On va parler avec des spécialistes, avec des chercheurs. Jean-Pierre Filou, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'islam contemporain. On a eu le plaisir de vous recevoir déjà plusieurs fois sur Mediapart et vous avez publié il y a peu, il est là, ce livre. Donc les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération, c'est publié à la Découverte. Claire Talon, bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe, vous avez été longtemps basée au Caire, où vous étiez la correspondante du Monde. Vous avez travaillé... Fille de Mediapart. J'allais le dire, vous avez travaillé pour Mediapart, vous avez publié Al Jazeera, Liberté d'expression et Pétromonarchie, et maintenant vous êtes la correspondante pour le Maghreb et le Moyen-Orient de la FIDH, c'est bien ça. Myria Benrad, bonsoir, vous aussi vous aviez participé à une émission avec Joseph d'ailleurs de Mediapart, vous êtes chercheuse associée à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de l'Irak, et votre dernier livre s'intitule « Irak, la revanche de l'histoire ». De l'occupation étrangère à l'État islamique et c'est publié chez Vendémiaire. Patrick Emzadeh, bonsoir. Vous êtes un ancien diplomate français à Tripoli, basé à Tripoli. Je crois que vous êtes d'ailleurs aussi un ancien officier de l'armée de l'air. Oui, tout à fait. Oui, de l'armée de l'air française, oui, hein, c'est bien ça. Et vous êtes auteur de l'ouvrage, donc en tant que spécialiste de la Libye, au cœur de la Libye de Kadhafi. C'était en 2011 chez Jean-Claude Lattès. Joseph. Oui, on voyait la vidéo de la proclamation du califat islamique par Abu Bakr al-Baghdadi. On est en juin 2014, c'est-à-dire que c'est quand même pas il y a si longtemps. On parlait de l'État islamique à peu près un an avant, même s'il y avait déjà des embryons. Comment est-ce que vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez chacun travaillé sur des terrains où aujourd'hui l'État islamique est présent. La Syrie, l'Irak, la Libye et l'Égypte, où l'État islamique est présent, le Sinaï. Comment est-ce que simplement, pour démarrer, vous expliquez un tel essor, comment une organisation dont on connaissait à peine le nom il y a 2 ans est devenue la première menace mondiale ? Jean-Pierre Filiu, pour commencer. Pourquoi pas ? Déjà, c'est étonnant qu'on soit dans un calendrier qui nous impose. Parce qu'après tout, cette proclamation, elle signifie, elle ne signifie pas. Mais on se rend compte qu'ils ont totalement intégré la façon dont nous fonctionnons et qu'ils ont décidé de nous imposer leur façon de mesurer le temps. Hein, donc c'était 3 juillet 2014. Ce monsieur montre... avec une montre de prix d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas une Rolex, c'était une autre, les Suisses ont défendu leur honneur. Et puis, il annonce ce califat. Voilà. Bon. Et à partir de ce moment-là, se met en place toute une série d'effets miroirs et en même temps de répliques, hein, à partir d'un territoire qui se trouve à cheval entre la Syrie et l'Irak et qui est donc immensément symbolique et profondément centrale dans la détermination de l'ensemble de la région. Et on voit qu'il s'impose au centre, et que peu à peu, tous les acteurs se définissent par lui, et à mon avis, mais sous le contrôle de mes
collègues, confrères, consoeurs et amis, je crois que c'est parce que le monde entier les a mis au centre qu'ils peuvent en effet s'étendre aussi vite. Et que tant qu'on acceptera cette centralité, tant qu'on se définira par rapport à eux, uniquement par rapport à eux, eh bien, en fait, ils auront gagné. Et d'ailleurs, ils continuent de gagner et de progresser. Myriam Benrad. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. En même temps, si on reprend un peu l'histoire du groupe, et notamment l'émir d'Al-Qaïda en Irak, donc Abu Musab al-Zarqawi, qui a été l'initiateur en fait, de ce projet en amont, c'est tout de même les Américains qui l'avaient mis au centre. Rappelez-vous toute la mythologie qui avait été élaborée autour du personnage, alors qu'il était à l'époque un moudjahid comme un autre à Fallujah, qui allait à la mosquée, qui a combattu les Américains avec un certain nombre d'Irakiens. Je parle évidemment du fait de mon expérience irakienne. Tout a commencé en Irak. Et là, de ce point de vue, j'en parlais depuis 2006 de l'État islamique. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est une organisation ou un mouvement, appelez-le. Alors, après, on peut faire une discussion sémantique autour de ce que c'est. Mais au départ, c'est un phénomène irakien inscrit dans le contexte de l'occupation américaine, dans le contexte de l'insurrection irakienne, au sein de laquelle on a un certain nombre de groupes. Et où les salafistes djihadistes, donc la tendance dure incarnée par Zarqawi et par une nébuleuse de djihadistes irakiens, vont prendre le dessus. Alors je mentionnais Fallujah, ça a été un point central du conflit. D'ailleurs, c'est 10 ans après que l'État islamique s'est emparé de la ville en janvier. Ça a commencé en fait à Fallujah, pas à Mossoul, dès janvier 2014. Donc de manière très symbolique, 10 ans après, pour régler les comptes. C'est aussi tout le sens, sans refaire toute l'histoire de l'occupation américaine, je renvoie à mon ouvrage que vous avez cité très gentiment, c'est aussi le sens de la tunique orange, lorsqu'il décapite les otages, les tortures dans la prison d'Abu Ghraib, aussi en 2004. Donc il y a toute une symbolique très forte, et surtout l'idée de la revanche. Alors la revanche des sunnites dans le cas de l'Irak, parce que ça a été les grands perdants, en fait, les grands parias du nouvel ordre post-bassiste. Et puis après, effectivement, la déliquescence d'un certain nombre de pays, dont la Syrie, a permis à cette organisation à l'origine irakienne de s'étendre. Mais le leadership est irakien, et il y a tout de même une forte connotation irakienne dans la revanche qui est portée. D'ailleurs, de ce point de vue, je vais juste dire une chose, l'Irak est toujours aussi présent dans la globalisation aujourd'hui à laquelle on assiste, parce qu'il faut quand même bien comprendre que l'Irak a été... En 90, donc pendant les années d'embargo et de sanctions, le paria de l'ordre mondial qui avait été annoncé par George Bush père comme étant finalement une forme de nouvel ordre mondial heureux, mais qui avait fait de l'Irak l'État paria. Donc il n'est pas étonnant, 25 ans plus tard, que l'Irak soit finalement le lieu d'attraction de tous les parias du monde, si on s'intéresse au profil des djihadistes, notamment occidentaux, qui vont vers l'Irak, vers la Syrie. Parce qu'il y a toute une symbolique très forte autour de ce que l'Irak a été depuis 25 ans, c'est-à-dire, encore une fois, l'État paria, donc assez naturellement l'État qui attire ensuite tous les parias dans le sens de la revanche. Patrick Hamzadeh, en ce moment, forcément, puisqu'on est dans cette séquence post-attentat, que beaucoup des attaquants sont apparemment passés par la Syrie, et que c'est effectivement en Irak qu'a été initié l'État islamique, on est beaucoup sur ce terrain-là. Il y a quand même un terrain qu'on oublie, c'est la Libye, souvent. Vous venez de publier un article dans Politique internationale justement sur la présence de cet État islamique en Libye. Est-ce que vous pouvez nous décrire deux choses ? À quel point, quelle est sa puissance aujourd'hui sur ce territoire ? Et est-ce qu'on parle, même si c'est sous le même nom, de la même organisation que celle qui aujourd'hui règne sur de larges territoires en Syrie et en Irak ? Là aussi, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur l'histoire, je pense. Après la chute du régime Kadhafi, on a eu aussi un écroulement de l'État et donc un repli sur un petit peu le local, hein, les identités primaires et le local. Et donc finalement, et l'émergence d'une entité politique qui était le CNT à l'époque, où un certain nombre de chefs de milices qui se sont battus pendant l'insurrection ne se sont pas reconnus rapidement. Donc finalement... le premier défilé, je pense que les gens s'en souviennent, ça, parce que ça avait frappé les esprits à l'époque, avec des drapeaux noirs, c'était en juin 2012, donc vous voyez, même pas un an après la chute du régime, où c'était Ansar al-Sharia à l'époque, à Benghazi, à revendiquer l'application de la charia, donc ils ont fait un défilé militaire très, très impressionnant, qui a montré un petit peu justement l'importance de la présence des djihadistes en Libye.
Alors, en fait, après, je dirais que le basculement vers l'État islamique, finalement, s'est fait assez logiquement. C'est des gens qui n'étaient pas forcément dans... Pour la plupart, pas dans l'idéologie. C'était des choix souvent très pragmatiques. On suivait un chef parce qu'il était charismatique, on le connaissait, on s'était battu avec lui pendant la guerre. Et donc, finalement, on restait dans sa katiba, dans sa brigade. Et alors, deuxième chose importante, c'est que ces brigades, qui étaient quand même voilà, des djihadistes déjà à l'époque, se sont vus confier des missions de service public, hein, puisqu'il y a eu un vide sécuritaire. Donc à Benghazi, on s'en souvient, ces gens étaient chargés de la sécurité, de l'hôpital, etc. Donc finalement, auprès de la population, ils ont acquis aussi, grâce à un travail de propagande, d'action caritative, et donc d'absence de l'État redistributeur, finalement, ils ont acquis une certaine... un certain poids, ce qui fait qu'ensuite, ils se sont implantés dans des quartiers de Benghazi. Donc là aussi, c'est très localisé. Hein. Je dirais que ça touche certains quartiers de Benghazi, la ville de Derna, qui est à l'est, qui est leur fief aussi, et puis une autre ville qui est connue parce que c'était la ville de Kadhafi. Donc à chaque fois, finalement, l'implantation s'est faite parce qu'il y avait une situation locale, voire micro-locale, qui faisait que ces groupes pouvaient... Alors, ça pouvait être l'absence de milices fortes, de milices avec une vraie légitimité révolutionnaire. Donc, à Sirte, c'était le cas, puisque, effectivement, c'était la ville de l'ancien régime. Donc, aucune milice avec une implantation locale a émergé. C'était des gens de Misrata qui venaient rétablir l'ordre. Et donc, c'était un terreau fertile. Voilà. Alors, pour revenir au basculement d'Ansar al-Shalira vers l'État islamique, ça s'est fait, là, par le biais... finalement, deux combattants qui sont partis en Syrie. Donc ça, on le sait maintenant. Finalement, beaucoup de gens d'Ansar al-Shalira sont aussi allés se battre en Syrie. D'abord avec Jabhat al-Nusra, hein, qui était la composante, disons, rivale de ce qui était devenu ensuite l'État islamique. Et finalement, là aussi, il y a une fascination pour le groupe le plus puissant ou... le plus en vogue. Donc je dirais que les groupes qui se réclamaient d'Al-Qaïda avant, maintenant c'est un petit peu has-been, et donc des jeunes vont se tourner vers les groupes qui sont les plus en pointe. Et finalement, là aussi, on voit qu'il y a eu des gens qui sont basculés de Ansar al-Shalira vers l'allégeance à l'État islamique. Et là, c'est le cas. Finalement, c'est un aspirateur de combattants, puisqu'il passe d'une milice à une autre. Et les chefs aussi, finalement, passent d'une milice à une autre parce que c'est plus porteur, parce qu'effectivement, il y a sûrement un marketing, en tout cas une communication qui est plus efficace. Il y a des financements et puis il y a un afflux aussi de combattants étrangers. Et là, c'est non négligeable en Libye, puisque maintenant, il y a des Irakiens, il y a des Syriens, il y a beaucoup de Tunisiens aussi, des Égyptiens, donc ils se retrouvent, encore une fois, dans ces micro-terrains. Je dirais quand même, pour finir, que leur capacité à s'étendre en dehors de ces enclaves est assez limitée. C'est-à-dire que, comme en Irak, enfin je parle sous couvert aussi des experts, où ils sont quand même plutôt dans la zone sunnite, là, en dehors de ces zones où ils bénéficient d'une sociologie ou en tout cas d'un vide qui leur a permis de s'implanter, ils n'ont pas réussi depuis un an et demi maintenant, à aller au-delà de certaines limites. Claire Talan. Peut-être juste pour rajouter une dimension contextuelle un peu plus régionale, en fait, parce que l'expansion de Daesh, enfin de l'État islamique en Irak et en Syrie, et c'est vrai qu'elle est spectaculaire en soi, mais il faut quand même la rattacher à un courant djihadiste et à des groupes et à des avatars qui existaient avant lui et de longue date. Et je crois que c'est important d'avoir conscience... du fait que c'est quand même un phénomène qui est ancré dans une réalité qui est celle de l'absence de démocratie dans le monde arabe et de l'autoritarisme et de violations très très graves des droits de l'homme dans l'ensemble de la région. Et que c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'on ait un important contingent de djihadistes étrangers, de Tunisiens, de Libyens, de Saoudiens, etc. Et que l'État islamique pullule à ce point. Et je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit le fait que, quitte, je veux dire, même si on élimine Daesh,
Tant qu'il n'y aura pas une stabilité et que finalement on n'aura pas trouvé une solution à l'effondrement des États, un effondrement finalement régional des structures étatiques, le phénomène ressurgira sous d'autres formes. Il a vocation à se développer. Et par ailleurs, il y a une explication aussi qui est quand même importante et qui replace aussi Daesh dans un contexte régional et local qui est essentiel à mon sens, c'est que Daesh, c'est aussi une économie et que cette économie, c'est notamment une entité aujourd'hui, l'État islamique, qui est en quasi-autonomie financière et qui vend notamment du pétrole. Il y a toute une économie pétrolière en Syrie qui passe notamment par le régime. Aujourd'hui, sur la route Damas-Homs, on peut acheter du pétrole Daesh. On peut acheter du pétrole syrien, du pétrole Daesh. Et que à ce titre, on ne peut pas déconnecter cet État de facteurs qui lui sont extérieurs, qui ont trait à son financement. Quels sont les financements qui alimentent ? Est-ce que Daesh a encore besoin de financement aujourd'hui ? Je n'en sais rien, c'est une question. Mais qui l'a alimenté, qui l'a financé, tous ces acteurs-là, et notamment les États du Golfe, la question de l'État syrien et le rôle joué, l'importance de l'effondrement irakien et du pullulement des milices chiites dans finalement la relative popularité dont jouit Daesh apparemment aujourd'hui dans l'opinion publique à Mossoul par exemple, tout ça sont des facteurs essentiels pour comprendre à quelle vitesse et à quel point cet État a pu acquérir une telle force. – Alors cet État, vous leur déniez ce terme, si je vous ai bien entendu, Jean-Pierre Filiou, quand on dit État islamique, vous répondez il n'est ni un État ni islamique. Ni islamique. Et au fond, mon déni est encore plus fort sur l'islamique que sur l'État. Je crois qu'en effet, pour m'inscrire dans ce prolongement, on est dans une crise de type révolutionnaire, mais avec une contre-révolution qui est d'une violence absolument inouïe et qui absorbe des énergies à la fois localement, régionalement, mais aussi internationalement. La façon dont Assad enrégimente Poutine et l'Iran au service de son maintien au pouvoir est quasiment un cas d'école. Hein. Donc on est, mais on pourrait dire aussi la même chose pour Sisi en Égypte avec les régimes du Golfe. Il faut voir que maintenant, pour juste maintenir à flot, si on peut employer cette expression un peu atroce, un régime comme celui de Sisi, il faut 20 milliards de dollars par an dérivés du Golfe. Il faut savoir qu'à l'époque de Moubarak, avec 1, 2, 3 milliards de dollars des États-Unis et des sommes comparables venues du Golfe, ben ça tournait. Donc c'est en plus des États en banqueroute. Effectivement, cet effondrement, c'est l'effondrement des États autoritaires, dictatoriaux, des états de barbarie, comme disait Michel Seurat, le regretté, qui avait le premier identifié dès 1982, ce rapport exclusivement barbare des Assad et d'autres à leur peuple. Et on voit bien qu'il y a le jeu de la contre-révolution directe au service de Daesh. Là encore, le cas d'école, c'est la Syrie. Hein. On libère des centaines de djihadistes, on commerce sur le pétrole. Alors, tout le pétrole ne va pas à Damas, il y en a une partie qui va en Turquie, mais c'est quand même frappant de voir le régime être en transaction avec celui qui est soi-disant son ennemi, mais qui l'a en fait laissé prendre Palmyre en mai dernier sans du tout réagir, alors que c'était 200 km de désert et qu'il aurait pu stopper cette progression très facilement. Et puis on a... Qu'il savait que la destruction pour partie de Palmyre allait avoir quoi ? Un effet quasiment publicitaire sur les opinions occidentales, sur l'opinion mondiale ? On voit très bien que c'est à partir du printemps dernier qu'un discours qui existait depuis le début, d'un extrême à l'autre dans notre pays, mais dans beaucoup d'autres pays européens, ce discours, il faut mieux Bachar plutôt que Daesh,
Bachar, au moins, c'est un État, alors qu'on voit bien que la, le miroir fonctionne complètement entre l'État de barbarie de Bachar et l'autre État de barbarie de Daesh. Et effectivement, hein, on voit comment ils ont procédé à... Il y a presque eu un échange de bons procédés entre Daesh et Bachar. Ils évacuent la ville avec leur garnison, ils laissent la population aux mains des djihadistes qui, eux, font exploser la prison de Palmyre et avec ça, éliminent un certain nombre de preuves de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés pendant les décennies précédentes par Bachar al-Assad. Donc ça, c'est la collusion directe, hein, le monstre à deux faces. Puis on a Sissi. Alors, Sissi, bon, bah, tout le monde est terroriste s'il n'est pas avec Sissi. Donc, on écrase l'opposition, qu'elle soit islamiste, mais aussi laïque, mais aussi progressiste. Et donc, évidemment, ça fait monter les djihadistes et la violence politique. Et puis, il y a les dictateurs renversés et leurs épigones. Et on voit comment les services de Saddam Hussein se recyclent au sein de Daesh, ce qui donne d'ailleurs une force tout à fait impressionnante de manipulation, d'intoxication. On voit dans les techniques hein, de l'Est parisien ces derniers jours, des techniques de services de renseignement, pas des techniques de groupes terroristes. Et on voit à Sirte, alors il y a effectivement cet environnement, mais il y a des cadavéristes qui passent avec armes et bagages chez Daesh. Donc ça n'explique pas tout, mais il y a cet ensemble et cet environnement contre-révolutionnaire qui fait qu'effectivement, des régimes aux abois, en banqueroute, eh bien, préfèrent Daesh plutôt que la moindre concession, contestation, et trouvent un écho explicitement favorable dans la Russie de Poutine, mais un courant d'opinion qui va grandissant dans les pays occidentaux. Sur cette question, Myriam Benrad, alors c'est peut-être un bief très français que de vouloir absolument séparer politique et religieux, mais il y a quand même une question qu'on se pose sur la nature de Daesh, où à la fois, ce que disait Jean-Pierre Filu, il est composé par d'anciens cadres de Saddam Hussein, du Parti Basse, et en même temps, pour recruter 8, ou maintenant on est sur la piste d'un 9e terroriste en France, prêt à se faire exploser, il faut bien être dans une démarche messianique, apocalyptique, enfin une vision de la religion qui permet de mobiliser dans un monde qui est déjà un monde d'après, un monde apocalyptique. Est-ce qu'on peut faire la part ou est-ce que ça n'a pas de sens de chercher ce qui est religieux dans Daesh et ce qui est du pur de la revanche politique ? Qu'est-ce qu'on entend par religieux ? Mais je pense qu'il faut éviter les amalgames, hein, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Filu. Qu'est-ce qui est religieux ? Qu'est-ce qui tient du religieux ? Qu'est-ce qui tient du transcendant ? Qu'est-ce qui tient du totalitaire ? Écoutez, pour moi, Daesh, ce n'est pas du tout le retour à l'islam des origines, au califat. On est dans le mythe absolu. On le voit, c'est une organisation extrêmement moderne qui, comme je l'ai dit, est née dans un contexte très particulier, qui hérite, comme l'a dit aussi Claire Talon, d'une histoire effectivement plus longue. Il y a eu hybridation entre un certain nombre de courants singuliers en Irak et des mouvances djihadistes internationales. Mais il me semble, si on prend par exemple le communiqué du 29 juin 2014, vous devriez faire une lecture parce que sous l'apparat du religieux, on voit très bien qu'il y a en fait du politique et qu'on est, comme je l'ai dit, dans du revanchisme. C'est-à-dire qu'apparaissent en filigrane les catégories de la domination qui sont donc rejetés. Alors, il y a la question de l'honneur, de l'oppression, de la justice, de l'humiliation. Donc là, on est vraiment sur le terrain de l'Irak, en tout cas pour ceux qui sont dans cette logique irakienne de revanche, de règlement des comptes, notamment avec les Américains et avec cette période d'occupation qui a été absolument atroce, parce qu'il faut aussi reconnaître notre part de responsabilité. Mais moi, j'y vois beaucoup de politique. Et à mon avis, l'aspect messianique, si vous voulez, il vient après. Le politique, il concerne la question du legs colonial. Vous en parliez dans le débat précédent, j'ai un peu suivi. Il y a énormément de références à cela. Donc c'est aussi pour ça que ça parle à nos sociétés, parce que nous avons une histoire coloniale. Donc, et nous avons des rapports de domination, des rapports de force qui se sont perpétués dans la période post-coloniale. Il faut briser le tabou, je pense, et dire les choses. Il y a des questions aussi de lutte des classes. Il y a un discours très marxiste, finalement, qu'il n'assume pas.
mais qui est très marxiste. Les nantis contre le prolétariat. Donc ça parle aussi évidemment de manière universelle, ce genre de choses. Et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils héritent en fait des mouvements révolutionnaires qui les ont précédés et ils occupent l'espace parce qu'il n'y a plus aujourd'hui autre chose que cela. Enfin, dans la radicalité et, dans, et tout ce que ça implique aussi de romantique, d'attrayant. Donc je ne sais pas, si vous voulez, si, je ne crois pas qu'on puisse caricaturer et aller dans le religieux. Mais je voudrais juste dire une chose. L'islam sunnite, dans sa version salafiste, a été un référent dans lequel ces gens se sont réfugiés facilement. Pourquoi ? Parce que dans le contexte du conflit irakien, mais en réalité surmonte à 90, il y a eu diabolisation. Ça, c'est un chapitre de mon ouvrage dans lequel j'essaie de démontrer qu'on a tout de même diabolisé cet islam sunnite en l'associant systématiquement à l'autoritarisme arabe. Alors là, il faudrait réécrire l'histoire aussi de l'Irak bassiste, parce que ce n'était pas sunnite contre chiite. La dictature bassiste, en fait, était beaucoup plus complexe et s'appuyait sur l'ensemble de la population. Et puis l'autre versant, ça a été l'international djihadiste sunnite. Il y a eu toute une lecture aussi du côté américain depuis 90, qui a énormément favorisé cet essor de l'islam sunnite salafiste comme référent dans lequel beaucoup de gens se sont réfugiés. Mais ce n'est, à mon avis, qu'un apparat. Surtout quand on étudie la rhétorique du groupe, on voit très bien que le politique est omniprésent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, il justifie toujours le politique par des références à l'islam, au Coran, mais on voit que c'est tout de même plus un apparat, un emballage, que le fond du problème. Non, mais insistez là-dessus, parce que vous le voyez, vous, qui êtes une spécialiste, mais quand on lit leur communiqué, qui est un communiqué de revendication sur les attentats de Saint-Denis et de Paris, dans ces cas-là, c'est d'un cynisme et d'un maquillage presque total, parce qu'on est quand même dans des termes religieux, je ne sais plus exactement lesquels. Les mécréants. Musique idolâtre. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez analyser justement cet emploi de ces termes-là ? D'une part, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est une sémantique qui est propre au discours djihadiste depuis très longtemps, mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que du point de vue de l'État islamique, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'ils sont dans une reprise du discours, vous parlez de millénarisme, il y a tout de même une reprise du discours américain post-guerre froide, fin de l'histoire, choc des civilisations, qu'ils rejouent à leur manière. Je pense qu'on est dans une sorte de poussée impériale qui veut en fait, qui a pour obsession l'Amérique. D'ailleurs, là, après les attentats de Paris, ils ont dit dans leur vidéo qu'ils avaient pour objectif de frapper Washington dans son cœur. Je pense que l'idée est vraiment de rejouer l'histoire des 25 dernières années et d'opposer une forme de nouvel impérialisme colonial, parce que je considère aussi que c'est un mouvement colonial, à ce qui est considéré comme ayant été une unipolarité américaine, néocoloniale, néo-impérialiste. C'est la manière dont ils le voient. Et de ce point de vue, c'est pour ça que je parle de l'Irak et que j'insiste, bon, parce que c'est mon terrain, mais aussi parce que je crois qu'il y a eu un problème de lecture de ce qu'a été l'Irak, ce conflit irakien. Je reviens tout de même sur notre part de responsabilité aussi, parce que je pense qu'il faut la mettre sur la table, et on pourra en parler plus largement si on a le temps, mais toute la symbolique, quand même, elle renvoie aussi aux erreurs graves qui ont été commises. La question des tortures... Qui aujourd'hui s'est banalisé aux mains de tous les groupes. Notre responsabilité. On n'est pas responsable de ce qu'a fait l'administration Bush, quand même. Je ne dis pas ça, mais de leur point de vue, malheureusement, voilà. L'amalgame est fait. Oui. Donc, on est tout de même considérés comme étant, finalement, des alliés de l'Amérique et on est visés de manière indiscriminée. Alors après, oui, on le regrette, évidemment, mais c'est pourtant, c'est pourtant leur rhétorique et leur perception. Guerre qu'à l'époque, pardon, mais voilà, je rebondis sur ce que dit Jean-Pierre Filiou en vous opposant ça, guerre à l'époque que la France a quand même refusé de faire. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Mais le problème, c'est un problème de perception. C'est parce que nous, on pense, et la manière dont on veut voir les choses, de leur côté, c'est du binaire. Donc il y a un État islamique aujourd'hui qui va opérer une revanche, et il y a les autres, qui sont de toute façon, encore une fois, de manière indiscriminée, les relais de ce qu'ils considèrent comme étant un Occident, comme vous le disiez, mécréant, machiavélique, etc. Il faut tout de même la comprendre. Il faut le comprendre, ce discours. Enfin, ce n'est pas le justifier. Oui, c'est le comprendre pour savoir ce qu'il... Mais ça peut donc bien dire que quand il frappe un pays comme le nôtre, ce n'est pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Mais bien sûr, oui. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, Claire Talon. Non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que... Il y a deux manières, effectivement, de réagir à la propagande de l'État islamique, qui est effectivement un espèce de mélange, assez d'hybridation entre un discours apocalyptique, que vous avez analysé par ailleurs, et des revendications d'ordre politique. Alors, soit on dit d'arrachement,
Et finalement, ils ne nous frappent pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Et dans ce cas-là, voilà, ce sont des illuminés, c'est l'apocalypse, la fin des temps est proche, etc. Soit on prend au sérieux ce qu'ils disent et on a des raisons de le faire parce que, d'une part, elles fonctionnent, leur propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je sais pas, c'est 2000 combattants français dans les rangs de Daesh, environ, je ne sais pas, entre 1000 et 2000. Entre 700 et 2000 concernés, oui. Entre 700 et 2000. Ces gens, d'après les informations dont on dispose, qui sont données par les juges, les enquêteurs qui ont affaire à eux, leurs motivations, elles sont religieuses que de manière minime. D'accord. Donc, ça veut dire que les arguments politiques qui sont donnés dans les communiqués de Daesh et qui sont récurrents, c'est toujours les mêmes, mais ils sont précis, ils fonctionnent. Je crois que si on s'aveugle et qu'on refuse d'admettre le fait qu'il y a des choses qui se disent qui sont de l'ordre de la réalité, c'est-à-dire que oui, les États occidentaux et la France en particulier a une politique étrangère problématique. Elle soutient des États, des dictatures, elle soutient des autocrates. Et vous pensez que c'est pour ça que des Français vont chez Daesh ? Parce qu'ils ont un raisonnement politique contre le fait que la France... Mais ils le disent, alors soit on décide que ce sont... Non, mais je vous pose la question. Moi, je pense que d'une part... Vous pensez que la personne qui vient de la France à la Syrie, elle le fait parce que la France soutient des dictatures. Je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'elle dit et qu'on a tout intérêt à écouter, enfin, à prendre au sérieux ce qu'elle dit parce que c'est une personne dangereuse. Et ce qu'elle le fait, elle le fait en tout cas... officiellement, au nom de ça. Donc, je trouve ça un peu léger de dire non, c'est des fous, ils ont une vision délirante, etc. Et sans même, je veux dire, poser la question des responsabilités. Je trouve ça léger, oui. Et notamment, là, en l'occurrence, ces attentats, ils ont une nature extrêmement politique. Enfin, c'était deux jours avant le deuxième round des négociations de Vienne. Ils ont pris soin de mettre un passeport syrien qui apparemment est un faux. Je veux dire, on sait depuis des mois que Daesh demande aux Syriens de ne pas émigrer. Donc, il y a une stratégie très politique là-dedans. Ils sont en train d'obtenir ce qu'ils veulent, on est bien d'accord. Mais, et je trouve ça catastrophique. Mais je pense que... Donc, il faut l'expliquer. Si c'est catastrophique, il faut l'expliquer. Faut pas le je pense que la de réaction la de la France est catastrophique. Il faut prendre certaines déclarations au pied de la lettre. Mais il faut poser la question des responsabilités aujourd'hui. Non, mais lesquelles faut prendre au pied de la lettre alors? Le soutien, la politique de deux poids, deux mesures vis-à-vis d'Israël, il faut la prendre au pied de la lettre. Le soutien, enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelle est la politique étrangère de la France au fond, déclaration de Daesh faut-il prendre? C'est une question très simple. Laquelle c'est un ensemble de discours qu'il faut prendre au pied de la lettre. On les connaît, ces discours. Mmh. Alors, il y a effectivement le côté apocalyptique, fin du monde, religieux qui, pour moi, est dans une large mesure un vernis, quand même. Et derrière, il y a vous des revendications. Vous êtes visiblement d'accord là-dessus, sur le vernis. Oui, bien sûr. Oui, mais je pense que c'est opératoire dans le recrutement. Et là, Je pense qu'il y a une part effectivement de personnes, mais on ne peut pas minimiser l'effectivité des revendications politiques. Oui, mais dire ça, c'est facile parce que ça évite aussi de poser la question. Excusez-moi, politiques. Puisque visiblement vous n'êtes pas d'accord, expliquez-nous, Jean-Pierre Filou, puisque vous ne croyez pas à cette hypothèse qu'un jeune Français puisse aller s'embrigader comme ça vers Daesh. Parce que Daesh dénonce à grands cris, disons, la politique étrangère de la France dans un grand tout occidental qui est l'ennemi. Vous dites non, ce n'est pas ça. C'est quoi, selon vous ? Moi, je pense que ce n'est pas la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que de même que le recrutement, il se fait par niche. C'est-à-dire qu'on dira aux francophones quelque chose de différent qu'on dira aux anglophones et aux Africains, des choses de différent qu'aux Arabes. Puis on voit bien qu'on a une vision du monde qui est extrêmement rudimentaire. On a cinq catégories. On a eux, on a les mauvais musulmans, qui sont leur ennemi prioritaire. On a les hérétiques, qui sont les autres musulmans, hein, chiites et autres. On a les juifs et les croisés. Bon, alors effectivement, on peut prendre ça au pied de la lettre et considérer que le monde fonctionne sur ces cinq catégories. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il est certain que, comme tous les mensonges, comme le mensonge de Bachar,
comme les mensonges d'autres totalitarismes dans l'histoire, ben, le mensonge de Daesh, à force d'être répété, il est efficace. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas le... C'est pour ça que je demandais, mais très simplement, quel est l'élément du discours de revendication politique qui vous paraît à être pris plus sérieux que d'autres pour expliquer la séquence absolument abominable qu'on a vécue aujourd'hui. Il y a plusieurs choses, mais déjà dans le communiqué sur les attentats, il est mentionné, l'intervention de la France dans les frappes contre Daesh est mentionnée. Très bien. Et c'est-à-dire, alors vous prenez ça comme un mensonge en fait, un prétexte. Totalement. Ouais. Et on a eu ça moult fois chez les djihadistes. La première fois qu'on a un membre de Daesh qui vient, il ne va pas frapper en France parce qu'il est arrêté en France, il va frapper à Bruxelles, musée juif de Bruxelles. C'est Mehdi Nebbouch. On est en mai 2014. Qui intervient à ce moment-là? Il y a quelqu'un qui intervient? Personne. Mehdi Nebbouch, il a torturé certains de nos compatriotes dans des geôles de Daesh. Est-ce qu'à ce moment-là, on était engagé contre Daesh? Donc il faut faire très attention à renverser la cause et les faits. Et c'est pour ça que je dis que prendre au pied de la lettre ce qui est posé un résultat comme une cause, hein, c'est exactement comme, par exemple, quand Bachar al-Assad dit « Je suis le seul rempart contre le djihadisme » qu'il a largement contribué à créer. – Ce qui me dérange dans cette lecture, c'est que finalement, elle épargne totalement la question des risques. Je veux dire, la France n'a pas pu aller frapper Daesh, en plus, dans une entreprise qui était visiblement destinée à retrouver sa place sur la scène diplomatique, parce qu'on a été humilié par les Américains, on est en train d'être humilié par les Russes et marginalisé dans les négociations sur la Syrie. Ces frappes, on est allé frapper Daesh en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance des risques. On sait très bien que la France est une cible privilégiée, d'abord parce que pour Daesh, c'est une cible de propagande privilégiée, parce qu'on a la première communauté musulmane d'Europe et qu'ils cherchent à en faire une source de recrutement. Et en plus, ils y arrivent. On a quand même un certain nombre, vous dites 700, entre 700, 2000, etc. Enfin, il y a quand même, on avait quand même des risques très importants à mener cette opération. Donc on ne peut pas, que Daesh, quelles que soient les raisons avancées, il ne faut quand même pas balayer ça d'un revers de main, parce que d'une part... – Je ne balaye pas, je renverse la séquence. Non, ce que vous prenez pour une cause, je le prends pour un effet. – Je vous pose la question plus simplement, parce que c'était la théorie, par exemple, de Thomas Cantaloube, l'un des spécialistes de la politique extérieure à Mediapart tout à l'heure, qui le disait beaucoup mieux que moi, mais qui disait qu'il y a des inconséquences dans la politique étrangère de la France et en particulier dans sa façon de faire la guerre, où on ne sait pas exactement à qui on fait la guerre, on ne sait pas exactement dans quel but politique on l'a fait. Et alors là, vous êtes des beaucoup plus grands spécialistes que moi. Et on ne sait pas en plus avec quels moyens on l'a fait. Par exemple, tout d'un coup, par exemple, là, on intensifie les bombardements dans le climat dans lequel nous sommes tous. Et en même temps, on nous dit depuis des années que ces bombardements sont archi contre-productifs. C'est-à-dire que d'un point de vue militaire, ben, le résultat est très moyen, mais qu'en revanche, forcément, ça tue des civils, ça désorganise des sociétés, et que donc, pour nos ennemis, avec tous les guillemets qu'on voudra, ça leur permet de recruter davantage. Tout ce que je vous dis là est trop simple. Mais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les uns et les autres? C'est ça, ma question. Je pense en fait qu'il n'y a pas des accords. C'est juste qu'il y a une variété de motifs. On débatte un peu. Oui, mais justement, qu'on débatte un peu. Il y a une variété de motifs, en fait, de haine de la France. Voilà. Il y a l'interventionnisme militaire, c'est vrai. Il faut quand même le dire, c'est à longueur de... On le voit partout sur Internet. Ils en parlent. C'est pas absent. Et puis, de la même manière qu'il y a une forme de haine de la France pour différentes raisons, moi, je parlais du legs post-colonial, à mon avis, qui est fondamental, qu'il faut revisiter, ça, c'est certain. Mais sur la question des civils, c'est pas prosaïque, c'est pas résiduel. Actuellement, ils font toute leur propagande sur les fameux dommages collatéraux dont on parlait déjà à l'époque de la guerre en Irak, qui se comptent par centaines. Hein. Les victimes civiles, ce n'est pas ce qu'on vous sert de manière officielle. Il y a des centaines de morts dans les bombardements américains, russes,
Donc, je pense aussi dans les bombardements français actuellement à Raqqa, par écoutez, exemple. Écoutez, moi, ce qui consiste à dire, en tout cas, qu'il n'y a pas eu un mort dans les bombardements français à Raqqa, j'attends de voir. Parce que c'est le discours qu'on avait du temps de la guerre d'Irak. Je renvoie à ce qui a été fait sur la question des dommages collatéraux, c'est dramatique. Je renvoie aux scandales aussi qui ont été révélés par Wikileaks. Bon, on est dans une guerre, il y a énormément de propagande. Et la réalité, en fait, si on regarde de manière humaine, c'est que les civils meurent, fuient. Ce sont des pays qui sont en train de s'effacer. Sous le poids de l'État islamique, mais aussi d'un certain nombre de milices chiites, d'autres groupes qui finalement pullulent sur la chute de la fin de ces États, d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, parce que la fin de l'État irakien, elle remonte aux années 90. Hein, les Américains sont arrivés en 2003 dans un contexte où l'État irakien n'était plus qu'une enclave, à savoir rien du tout, et ce qui a d'ailleurs favorisé... Et rappeler les sanctions. Tout à fait, ce qui a favorisé les trafics, la contrebande. L'État islamique n'a fait qu'hériter de cette configuration, quand même, parce que si vous voulez, sur la question de la contrebande pétrolière, c'était déjà la configuration de l'Irak des années 90, où le régime avait volontairement délégué ses trafics aux acteurs locaux en échange du maintien de l'ordre et donc en échange de sa survie. Donc tout cela était en place et il y a eu radicalisation, en partie, mais pas seulement, du fait de ces interventions militaires qui ont été mal pensées. Mais ce que je voudrais dire aussi, il y a un point qui a été soulevé tout à l'heure sur la question démocratique, il y a eu un espoir démocratique en Irak, en 2003. La libération qui a été promise aux Irakiens, en réalité, ça n'a pas tout de suite dégénéré dans la violence de masse et l'insurrection. Les Irakiens ont attendu de voir. Et c'est là, de ce point de vue, que je considère qu'on a une énorme part de responsabilité, enfin, les États-Unis en particulier dans ce cas, d'avoir finalement géré les choses de manière aussi catastrophique, d'être tombé dans une brutalité qui a évidemment jeté les Irakiens dans la résistance armée et qui a fait le jeu du retour à l'autoritarisme, on l'a vu avec Nouri al-Maliki, parce que cette tyrannie des États, elle s'est diffusée en fait. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Pierre Fillu, Daesh c'est finalement le visage, l'autre visage d'une tyrannie qui est là depuis très longtemps et qui a fait de la violence la norme. Et là, je reprends Abou Bakr al-Baghdadi, qui est un produit de l'embargo en Irak, et qui a été façonné par cette tyrannie, par cette violence, par cette prédation au quotidien. De ce point de vue, il faut bien voir les choses ainsi. Ce sont des populations qui sont dans des situations, enfin en tout cas si on prend le cas de l'Irak, de survie et de prédation depuis maintenant des années. Alors comment les sortir de ça? C'est toute la question. Aujourd'hui, le fait est qu'on est dans l'impasse, il faut le dire. Et d'ailleurs aussi, moi, je parle d'impasse militariste, parce qu'effectivement, les bombardements feront des civils, des morts civiles, les bombardements ne régleront pas le problème, Daesh n'étant qu'un symptôme d'un problème, d'un mal plus profond. On ne peut pas effectivement s'empêcher de penser, quand on voit l'armée française bombarder Raqqa juste quelques heures après les attentats à Saint-Denis à Paris, de se dire que c'est exactement ce que Daesh attend. En même temps, si on regarde les trois pays où Daesh est aujourd'hui le plus présent, c'est-à-dire Syrie, Irak et Libye, on a... L'Égypte. Non mais voilà. Mais là, je prenais ces trois cas parce qu'on a trois cas d'États qui sont quasiment effondrés et sur lesquels Daesh a prospéré justement, ce que vous racontiez tout à l'heure, Patrick Hamzadeh, sur les ressources locales dans le contexte d'État. Sauf qu'on a deux pays, donc l'Irak et la Libye, où il y a eu des interventions occidentales et un État, la Syrie, où il n'y en a pas eu. Est-ce que vous liez ces choses-là? Est-ce que ça dit quelque chose? Enfin voilà, comment est-ce que, à partir de la situation libyenne, vous jugez ça? Si vous voulez, bon, en Irak, l'intervention est une cause directe de l'écroulement du régime. En Libye, c'est un petit peu différent. Bon, on a eu un soulèvement au départ, avec un moment révolutionnaire qui a duré quelques jours, et avec une bascule assez rapide dans une guerre civile. Bon, je pense que, après on ne va pas revenir sur la décision d'intervenir, moi j'avais dit dès le départ que une guerre civile ne s'arrêterait pas avec la chute du dictateur. À partir du moment où on a engagé ce processus de logique de violence à tous les niveaux et de fragmentation à l'infini du pays, effectivement, on a vu, il y a eu aussi une toute petite période de grâce qui a duré quelques semaines parce que chacun se regardait et préparait la suite, finalement. Mais la logique de guerre, elle a pas cessé. Donc finalement, je dirais que l'intervention militaire, on a peut-être sous-estimé cette espèce de pensée qu'il suffisait de mettre un terme au régime, de gagner militairement une guerre. Voilà, j'en arrive toujours à ces logiques souvent purement militaires, où voilà, on défait l'armée, hein, c'était pas compliqué, hein, l'armée de Kadhafi,
et on met fin au régime et à l'État très faible, hein, parce que c'était un État faible. L'État libyen, c'était pas ni l'État syrien ni l'État irakien. Et ensuite, on pense qu'effectivement, les forces démocratiques vont l'emporter et que les jeunes qui criaient liberté et dignité à Benghazi vont effectivement faire valoir leurs idées. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Une guerre civile, ça ne s'arrête pas en appuyant sur un bouton. Et donc, je crois que là, il y a eu, en tout cas, une sous-estimation. Alors, est-ce qu'elle était dans la prise de décision, dans la rapidité de la prise de décision? On a sûrement pas voulu voir un certain nombre de choses, une méconnaissance peut-être du pays aussi. Mais on s'est dit, voilà, on ne met pas de soldats au sol, on ne va pas refaire les mêmes erreurs qu'en Irak. Hein, on accompagne la chute du régime par des bombardements et un soutien à l'opposition, et forcément, ça se passera bien. Et en fait, on voit bien que, non, ça, 4 ans après, ça ne s'est pas bien passé. Alors, après, il y a la deuxième école qui va vous dire, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment. Alors, suffisamment, moi, évidemment, là aussi, il faut rentrer dans les détails. Quand on a un pays qui fait 2,5 fois la France, on avait 300 000 hommes en armes au lendemain de la chute du régime. Ça voulait dire quoi, suffisamment? Ça voulait dire aller désarmer tous ces gens, donc ça veut dire une opération de guerre avec des soldats au sol, et on n'avait pas de mandat, ni et les Libyens ne le demandaient pas non plus. Donc vous voyez, on en arrive aux limites de cette espèce de magie qui revient, d'ailleurs, ça commençait avec l'Amérique de Bush, hein, de la magie de l'intervention militaire comme porteuse d'un ordre meilleur, d'une démocratie, et on voit bien que finalement, l'action militaire... Je ne peux pas citer un exemple d'intervention militaire, finalement, ces 15 dernières années dans cette région, où, effectivement, on a pu engendrer un ordre meilleur que ce qu'on a voulu éviter au départ. Donc vous êtes tous alors, les... je ne parle pas du Mali, je mets un petit peu de côté, parce que le Mali, je pense que c'était un petit peu différent, où là, on est intervenu pour sauver un État, hein, et effectivement, empêcher justement l'écroulement d'un État. Mais ces interventions, on a accompagné, finalement, la chute de ces régimes, qui serait peut-être tombé d'ailleurs sans ça. Hein. C'est vrai qu'au résultat, mais je dirais que l'intervention militaire n'est pas directement la conséquence. On aurait peut-être pu, effectivement, essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Voilà, c'était ma position à l'époque. Essayer d'obtenir un cessez-le-feu et de trouver une solution politique. Bon, alors on va vous dire qu'Kadhafi était fou. 3 mois avant, on le recevait, et on était prêt à lui vendre des rafales, n'oublions pas, et des missiles de croisière. Hein, donc, s'il était fou, ça veut dire que dans notre politique étrangère, effectivement, on a quand même une certaine incohérence et une grande légèreté. Dans ce qu'on entend depuis 3 jours, on a même l'impression qu'il y a une sorte de surenchère guerrière. Enfin, lundi, détruire Daesh, l'autre répond, les exterminer. Hein, ça a été dit sur le perron de l'Élysée par Nicolas Sarkozy. On parlait d'exterminer Daesh. Est-ce que ça a un sens, tout simplement? Là, je vous pose une question simple. Est-ce que d'un point de vue militaire, de bombardement, puisque nous en sommes là, ces mots-là ont un sens? Je peux finir, parce que, excusez-moi, je coupe la parole à mes camarades, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, et on en arrive à ce que je voulais terminer de dire, c'est que je pense que ce soit les bombardements, affaiblir, éradiquer maintenant, mais enfin, dans l'histoire, on n'a jamais éradiqué un mouvement, enfin, c'est avec des bombardements. Enfin, j'étais officier de l'armée de l'air, je connais un peu la stratégie aérienne. Donc là, on voit bien que c'est un discours qui est destiné peut-être à nos opinions publiques. Enfin, clairement, les frappes du lendemain étaient à usage interne. Mais je dirais qu'on a lancé 20 bombes sur les 8000 et quelques qui ont été lancées depuis un an et demi maintenant sur l'Irak et la Syrie. C'est vraiment une petite goutte d'eau. Et après, j'en arrivais à ce que je disais tout à l'heure, c'est que gagner une guerre militaire, ça ne veut pas dire ensuite quel ordre politique reconstruire. C'est ça le plus compliqué. Donc effectivement, même si on va détruire 3 pick-up rouillés et 4 hangars vides où on ne sait même pas s'il y a des... Mais ensuite, voilà, on en revient à la case départ, c'est-à-dire 2003, effectivement, comment on fait? Alors, ça veut dire quoi? Finalement, gouverner le pays, hein, le réoccuper, et on revient dans ce qui a déjà été fait, ou alors reconstruire un ordre politique qui reste pour l'instant inconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de but de guerre, clairement. Jean-Pierre Filliau.
Moi, je crois qu'on est dans une situation où on n'a plus que des mauvais choix. Mais si on est là, c'est parce qu'on n'a pas choisi. Et c'est pour ça que le terme « inconséquence » ne me choque absolument pas. Et en fait, le tas de sable a été repoussé, repoussé jusqu'à l'horreur de ces derniers jours. Mais on ne peut pas non plus faire comme si la France était seule sur cette scène. En août 2013, la France était prête à sanctionner le régime de Bachar al-Assad pour son utilisation des armes chimiques contre sa population. Là, il ne s'agissait pas de régime change, il ne s'agissait pas d'occuper, il s'agissait simplement de montrer qu'on était un monde où il y avait encore des règles et qu'un crime contre l'humanité, l'utilisation d'armes de destruction massive, eh bien, ça ne passait pas. Ben, la France s'est retrouvée toute seule. Et ce n'était pas du fait d'un veto russe au Conseil de sécurité. C'était du fait que, pour Barack Obama, toutes ces histoires étaient complètement dépassées. Il regardait vers l'océan Pacifique et considérait qu'Européens et Arabes étaient des espèces de Cro-Magnons. En tout cas, pour Daesh, il y a avant et il y a après. La reculade américaine et donc la non, l'impunité du despote et du bourreau, Daesh était assez absorbé dans ses querelles de factions, était donc dans son fief de Raqqa et n'était pas du tout dans l'expansion qu'elle a connue ensuite. À partir de ce moment-là, et la propagande djihadiste le montre très bien, on a cette idée, voilà ce que on fait aux musulmans, non seulement dans l'indifférence, mais dans la complicité internationale. Et donc on globalise tout le monde, les Français, là, alors ils font passer toutes les photos, on a Hollande, on a les Saoudiens, on a les Américains, on a les Russes, et on a même Netanyahou, et tout le monde est uni, et on voit des enfants syriens morts sous les gaz. Et c'est là où on innove avec... Et si on avait envoyé nos bombes, ils n'auraient pas fait les mêmes photos avec d'autres enfants syriens morts sous nos bombes ? Je vous pose la question. Tout à fait. Mais de toute façon, l'histoire au conditionnel, c'est un genre... Enfin, l'Uchronie, c'est un genre littéraire, c'est pas un genre scientifique. Hein. C'est tentant. Mais ce qui est certain à l'époque, c'est que la révolution syrienne, elle était dans une dynamique... qui lui aurait permis, alors ça j'en suis convaincu, de prendre le pas sur Daesh, vu qu'elle a été capable, malgré l'absence de réaction internationale, 6 mois après, d'expulser Daesh d'Alep, d'Idlib, donc de tout le nord et du nord-ouest de la Syrie. Donc c'est une question de dynamique. Donc là c'est une occasion manquée pour vous. À ce moment-là, vous étiez interventionniste. Oui, mais là, comprenez. Le problème, c'est que. Je vais vous donner la parole, parce que visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus. On peut vouloir une intervention militaire ponctuelle à un moment sans être George W. Bush en 2003. Je dis parce que interventionniste, tout de suite, c'est politique de la canonnière. Les Syriens n'ont pas compris que nous laissions faire cela. Et ils nous en voudront. Alors c'est pour ça, il y a les responsabilités des occupations, là, les responsabilités de la colonisation, évidemment, mais il y a aussi les responsabilités de la passivité. Comment voulez-vous que ça soit compris et qu'on dise, parce que deux poids, deux mesures sur Israël et la Palestine, évidemment, mais deux poids, deux mesures quand on a un massacre chimique comme celui-là et qu'il n'y a aucune réaction, c'est aussi terrible. Parce que qu'est-ce qu'on peut véhiculer comme valeur à ce moment-là, à ceux qui vont devenir des réfugiés ou autres ? Patrick Hemzadeh, Claire Talent ? Oui. Non, bon, sur cette affaire d'armes chimiques, moi, je pense que l'histoire de dire Obama aussi, je crois que c'est pas une histoire de faiblesse ou qu'il n'était pas intéressé. Enfin, je pense pas. Je crois qu'Obama a fait quand même sa campagne et est arrivé à la présidence avec comme programme de sortir l'armée américaine et d'éviter de nouvelles guerres au Moyen-Orient. Je pense que c'est important. Enfin, je crois qu'il était structuré comme ça et ça explique ses réticences sur l'affaire syrienne, sur l'affaire libyenne un petit peu avant.
c'est qu'effectivement, son obsession, ce n'était pas de se remettre dans... Et puis aussi, et là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas non plus des gens qui réfléchissent aux États-Unis, c'est de dire, voilà, on sanctionne. Et sanction, ce n'est pas un but de guerre non plus. On n'est pas dans l'enfant qui fait quelque chose de mal, on le punit. On fait la guerre pour obtenir un objectif. Donc ça voulait dire, si c'est ça, ça veut dire effectivement s'accompagner d'une politique à terme d'éviction de Bachar al-Assad. Et une punition, pour moi, ça aurait été symbolique. C'est pas du tout sûr qu'effectivement, ça aurait été pas forcément plus efficace que ce qui a été fait, puisque finalement, in fine, les armes chimiques ont été détruites, hein, avec la négociation et l'intervention qui est. Donc je crois que c'est ça. Obama, je lui jetterai pas la pierre en disant cocorico, on était prêt à faire la guerre et les Américains nous ont empêchés. Parce que c'est un discours qui revient souvent dans notre politique étrangère. On l'a vu avec l'Iran. On est beaucoup plus dur, on est le bad cop dans la négociation avec l'Iran et on prend les Américains un peu pour des gentils qui, quelque part, étaient prêts à être complaisants avec les Iraniens. Je crois que là aussi, il y a beaucoup de postures, hein, mais je suis pas sûr que, dans la réalité, ça aurait eu des conséquences sur... alors là aussi, on peut pas refaire l'histoire, mais tout ça, c'est des supputations. Sur... Ouais. Moi, je trouve extrêmement problématique de dire finalement que les attentats qui viennent de se passer sont... Enfin, avec ces attentats, à travers ces attentats, la France paie le prix des fautes qui ont été commises à Moscou ou à Washington. Parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui, il me semble que c'est même plus celle de l'intervention ou de la non-intervention. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment mener une guerre, une bataille contre Daesh? Est-ce qu'on veut vraiment vaincre Daesh? Parce que si la France veut vraiment vaincre Daesh, il faut qu'elle commence par arrêter de vendre des armes aux principaux États qui sont la source, l'origine à la fois idéologique, mais même sécuritaire de Daesh, je veux dire. Aujourd'hui, quel est le propos de la politique étrangère française aujourd'hui? Mais c'est de vendre des armes. On est arrivé, on vit quand même les jours d'un gouvernement socialiste dans lequel le niveau des ventes d'armes atteint une ampleur inédite. Comment peut-on prétendre vouloir lutter contre Daesh, contre le wahhabisme, contre le salafisme et toutes ces idéologies en vendant des armes à l'Arabie Saoudite, en vendant des armes au régime égyptien qui aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui se passe en Égypte, ça ne peut que nous revenir dans la figure. Donc il n'y a pas la question de l'intervention contre l'État islamique, je trouve ça dramatique, mais je trouve qu'elle est presque anecdotique. Et ce qu'il faut revoir, c'est l'intégralité d'un virage de politique étrangère dont aujourd'hui, il me semble qu'il faut vraiment reconnaître que nous payons les conséquences. Et tant que cette responsabilité-là ne sera pas posée, je ne vois pas comment on peut imaginer que la France se tire du bourbier méditerranéen sans en payer un lourd tribut. Aujourd'hui, la rive sud de la Méditerranée est à feu et à sang. On assiste à un effondrement des États dans ces régions, tous les indicateurs sont au rouge, et visiblement il va y avoir des gros mouvements et des soulèvements un peu partout, en Égypte, en Algérie, il faut quand même... La question de la responsabilité en Algérie, apparemment, tous les gens qui connaissent l'Algérie aujourd'hui disent que il y a de grandes chances pour qu'il se passe des choses. Je veux dire, en Égypte, les prix n'ont jamais été aussi élevés, la situation économique est catastrophique, le régime de Sisi est incapable de garantir la sécurité. Je veux dire, on l'a vu dans le Sinaï. Il y a un certain nombre de diplomaties dans le monde qui sont en train de s'en rendre compte. On est d'accord sur beaucoup de choses. Myriam Benrad. Je vais être courte. Qu'est-ce que Daesh? Parce que y a des Syriens, moi, qui me disent Daesh, c'est vos ordures, en fait, hein, que vous êtes venus jeter chez nous. J'entends ça du côté irakien aussi. Alors, il y a évidemment l'instrumentalisation du terrorisme, hein, sous toutes ses formes, par les régimes, même ce qui n'en est pas. Hein. Nouri al-Maliki a été maître en la matière aussi. Tous les opposants deviennent des terroristes, bien évidemment. C'est surtout aussi qu'à mon avis, c'est quelque chose de plus global. Alors oui, ça part d'Irak, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de global qui renvoie aussi, dans le cas des combattants occidentaux, à ce qu'on est.
Alors là, sans même parler d'intervention militaire, nos modèles de société, nos propres lacunes, nos propres parias, comme je le disais, moi je pense qu'on peut parler de des parias aujourd'hui au sens large, qui finalement ont trouvé dans Daesh eh bien, le mouvement militant qui leur permet d'exprimer leur rejet radical de l'ordre, du système. Je crois qu'il faut aussi pousser un peu plus profondément la réflexion, parce que en réalité, où sont les Syriens, où sont les Irakiens aujourd'hui dans cette histoire? On a un mouvement qui est en train de prendre des territoires, qui est un mouvement global, qui rassemble toutes les nationalités, qui est complètement, alors plus qu'hybride, à mon avis monstrueux dans beaucoup de choses, qui est en train de pratiquer un crime de masse. Alors, de ce point de vue, c'est effectivement très semblable au régime qu'on a connu et qui se maintiennent hein, coûte que coûte, à commencer par le régime d'Assad. C'est l'impasse. Alors, sur la question des mauvais choix, oui, bien sûr. On est dans l'impasse militariste. On est dans un contexte de guerre. Donc, de représailles constantes. À mon avis, quand on parle de solutions politiques, il ne faut pas rêver, ça ne va pas venir maintenant. Le politique est mort dans la région. Moi, je pense que le politique est mort. En tout cas, aujourd'hui, actuellement, on est dans des contextes de survie au quotidien. La première chose que les gens demandent, c'est de l'eau, de l'électricité, la sécurité, survivre. Ils ne savent même pas s'ils vont passer la nuit. Donc il faut bien quand même comprendre. Et je pense qu'on commence à en prendre la mesure, tristement, tragiquement, en France, avec ce qui vient de se produire. Mais chez eux, c'est tous les jours. Ils ne savent pas si le lendemain, ils vont se réveiller encore vivants. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure. La première chose que les Syriens demandent, c'est l'arrêt des bombardements indiscriminés menés par le régime de Bachar. C'est la première chose. Aujourd'hui, l'ironie, c'est qu'on est dans une relative sécurité dans les zones contrôlées par Daesh par rapport aux autres. Tant les bombardements du régime sur Daesh se concentrent sur les lignes de front et tant il y a des bombardements quotidiens dans la route orientale. La question la question aujourd'hui pour les Syriens, c'est pas tant Daesh que l'arrêt des bombardements par le régime. Et par les Russes. Et par les Russes, oui. Alors, justement, on parle forcément, parce qu'on est ici en France, on est quelques jours après le choc des attentats, mais ces attentats de Paris et de Saint-Denis, ils s'inscrivent dans une séquence. Hein. Quelques jours avant, il y a eu les attentats à Beyrouth, il y a eu l'avion dans le Sinaï, il y a eu auparavant les attentats à Ankara. Est-ce qu'on est face quand même à un changement de stratégie de Daesh qu'on a longtemps décrit en opposition avec Al-Qaïda comme... un mouvement qui cherchait d'abord à s'implanter territorialement plutôt que mener un djihad et un terrorisme mondialisé. Première question. Et deuxième question liée, est-ce que s'il y a un changement de stratégie, il vous semble lié à des difficultés sur le terrain? Tout à l'heure, Patrick Hamzadeh disait, bon ben voilà, comment Daesh s'est implanté en Libye, mais il aura sans doute du mal à sortir aujourd'hui des zones où il se trouve. On a vu que même en Irak et en Syrie, Daesh avait du mal à aller dans des zones qui n'étaient pas des zones spécifiquement sunnites. Hein, on l'a vu à Kobané. Aujourd'hui, Sinjar, qui est une ville d'abord yézidi, a été reprise. Donc voilà, je vous pose à tous la question, est-ce qu'on est face à un changement de stratégie et est-ce qu'on peut lier ce changement de stratégie à des formes de difficultés sur le terrain? Moi, je pense que Daesh est une Al-Qaïda qui a réussi, hein, et qui a réussi parce qu'elle est autonome financièrement. Elle contrôle un territoire de plein exercice, alors qu'Al-Qaïda dépendait des talibans. Et puis, elle contrôle un territoire qui est central. Hein. C'est ce que j'essayais d'indiquer au début, central symboliquement, central stratégiquement, et qui est construit centralement par les États-Unis, par aujourd'hui l'intervention russe, et par les uns et les autres. Mais, en fait, c'est comme Al-Qaïda, c'est-à-dire que la dimension territoriale, l'ancrage territorial, va de pair avec la diffusion transnationale. Donc moi, je ne pense pas que c'est parce qu'il y aurait des ratés territorialement que ça s'aggraverait transnationalement. Je pense qu'au contraire, ils sont toujours dans une phase dynamique et que cette dynamique s'accélère. Que c'est effectivement la séquence terrible que vous décriviez, Ankara, Sinaï, Beyrouth, Paris, et je crains qu'elle ne s'arrête pas là. En tout cas sur le continent européen. Oui, enfin, moi je pense qu'il y a un problème de classification. On s'acharne à vouloir classifier les groupes avant même de parler de stratégie. C'est beaucoup plus fluide sur le terrain. Enfin, moi d'ailleurs, tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la Syrie me fait penser au débat qu'il y avait à l'époque sur l'Irak, où on voulait absolument classifier les groupes insurgés, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est des questions de ressources, d'opportunités, d'armes. C'est très fluide. De la même manière qu'au niveau stratégique, cette idée d'opposer Al-Qaïda à l'État islamique
sur la question du djihad global versus la construction d'un État, ça ne vaut rien, parce qu'en réalité, c'est très fluide, c'est une question d'opportunité. Ils sont très présents sur les réseaux, sur Internet, donc du coup, évidemment, ça leur donne aujourd'hui une projection supérieure. Ils ont parfait, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qui est finalement l'ancêtre, hein, leur ancêtre, ce qui a précédé, à savoir Al-Qaïda. Mais il n'y a jamais eu de renoncement à l'idée de frapper l'ennemi lointain. Ce califat, il est finalement très ambitieux, et puis c'est une question d'opportunité. Enfin, on prend les territoires qu'on peut prendre, on se projette au-delà du cœur irako-syrien, avec, encore une fois, sur le plan symbolique, une forte résonance qui fait que des groupes vont faire allégeance. Je pense qu'ils sont extrêmement sophistiqués et dans la fluidité, ce qui les rend imprévisibles, ce qui rend la menace insaisissable, parce que c'est ça en réalité ce qu'on sent dans les débats, c'est comment saisir la menace, de quoi parle-t-on. C'est un objet monstrueux de ce point de vue, sur sa composition, sur ce qu'il projette, pas seulement du Moyen-Orient mais du monde, il faut je pense maintenant aller plus loin, et sur son mode opératoire. Et là, je suis les débats en France, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on cherche absolument à définir un mode opératoire. Mais eux sont dans le fluide, dans le souple. Donc, de ce point de vue, il faut s'y adapter. En tout cas, moi, je ne travaille pas sur les questions de stratégie, mais je crois que là, au niveau militaire et stratégique, il faut une vraie réflexion qui se renouvelle, parce qu'on est, complètement à côté de la plaque quand on parle de Daesh. Patrick Hebzadeh. Oui, mais les Américains qui sont assez en pointe là-dessus ont essayé de le faire, enfin le font. Je sais qu'il y a eu des gros travaux avec des think tanks, peut-être vous avez été sollicité. Et l'armée américaine essaye effectivement de travailler même avec des anthropologues, avec des psychologues pour essayer de comprendre comment. Mais effectivement, c'est comme vous dites, c'est monstrueux, c'est assez insaisissable. Et puis surtout, c'est ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie du faible au fort, finalement. Il s'attaque à des États avec des armées structurées par des. Enfin, c'est vieux comme le monde. Hein, le terrorisme, c'est toujours l'arme du faible. Donc tout ça, c'est. Enfin, c'est tuer des innocents, tuer des civils, c'est absolument pas nouveau dans ce type de conflit asymétrique. Hein. Donc simplement, effectivement, moi, je vois une différence par rapport à ce qui se faisait avant. C'est dans l'efficacité de la communication. Et c'est vrai que maintenant, avec. Quelques moyens peu sophistiqués, finalement, une vidéo, on peut mettre en ligne quelque chose qui va être visionné par, par des jeunes un peu dans le monde entier et dans nos sociétés. Et on en arrive à la deuxième chose, je pense que ça a été traité dans les débats précédents, mais je crois que finalement, c'est la conjoncture d'une offre et d'une demande, hein, à partir du moment où y a la conjoncture d'une idéologie. D'un système totalitaire et finalement de gens qui sont radicalisés, en perte de repère et qui vont effectivement prendre cette idéologie, entre guillemets. On a vu que la religion n'était qu'un paravent, puisque souvent c'est des jeunes qui n'ont aucune. Qui ne lisent pas l'arabe, qui n'ont jamais lu le Coran, et qui. La religion, ce ne serait pas ça. Je pense que ce serait autre chose. Et ça peut se comparer à des mouvements sectaires ou de gens qui trouvent. Dans cette idéologie, un échappatoire à leur sentiment de finalement ou leur perception de domination. Donc c'est pour ça que je crois que c'est les deux focalisés uniquement sur la stratégie de Daesh. Daesh n'a pas des ficelles qui tirent avec des gens qui obéissent, des petits soldats qui obéissent. Hein, tout ça est effectivement très flou, très fluide, et c'est ça qui est aussi nouveau, quoi. Finalement, c'est la conjoncture de deux choses. Et je crois que ça prendra énormément de temps avant de trouver des réponses. Mais c'est des réponses, je pense, dans un premier temps, puisqu'on parlait des attentats, qui sont quand même très locales. Quoi. Je pense que concrètement, il y a des choses qui sont très politiques aussi chez nous. Avant d'aller larguer quelques bombes sur Daesh, je crois qu'on mettra du temps à avoir des résultats pour justement... essayer de limiter ce processus de radicalisation qui est quand même effrayant. Claire Talent. Oui, juste pour rajouter peut-être que ça me semble d'autant plus difficile de lier la multiplication des attentats en Europe à un
potentiel affaiblissement de Daesh sur le terrain, qu'en plus aujourd'hui on est quand même dans une perspective d'autonomisation d'un certain nombre de groupes affiliés à l'État islamique un peu partout. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui en Égypte, le cauchemar des renseignements égyptiens, c'est d'arriver à comprendre si l'attentat de Sharm el-Sheikh avait été mené de manière indépendante et après revendiqué a posteriori par l'État islamique ou bien s'il avait été commandité par l'État islamique. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes, je crois, effectivement, dans la lutte qu'on mène contre cet État, enfin cet État en particulier. Parce que quand on vous écoute tous les quatre, le plus effrayant peut-être, c'est qu'on se dit à quel point, avec tous les guillemets qu'on voudra, la présence de Daesh arrange du monde dans la région. Ah bah c'est l'ennemi de second rang. En fait, c'est l'ennemi prioritaire de personne jusqu'à ce que la France le désigne comme ennemi prioritaire ces derniers jours. Avec tout ce que ça implique comme saut dans l'inconnu qui a été décrit. Mais c'est l'ennemi secondaire pour Assad qui préfère taper sur la révolution, c'est l'ennemi secondaire pour les Turcs qui préfèrent taper sur les Kurdes, c'est l'ennemi secondaire, on peut égrener Sisi est beaucoup plus occupé par sa propre opposition que par Daesh. Haftar à Benghazi est beaucoup plus occupé par Haftar à Tobruk est beaucoup plus occupé par les gens de Tripoli. Et donc effectivement. Et les pays du Golfe s'en servent pour contenir l'Iran. En tout cas, ils ont subi aussi sur leur territoire les attentats de Daesh. Ils sont directement visés. Bon, après, ils ont mis leur tête à prix. Mais je pense qu'effectivement, pour eux, c'est aussi un ennemi de second. L'ennemi prioritaire étant l'Iran. Les pays du Golfe, je crois que c'est aussi. Je crois qu'il y a aussi une sociologie compliquée. Finalement, il peut y avoir la famille régnante et puis aussi un certain nombre de gens en Arabie Saoudite qui ont les moyens de financer. Alors peut-être avec des complicités, mais là, on ne peut pas dire que c'est un pays où finalement tout est aussi bien contrôlé que ça l'est. Donc je crois que. Justement, le recrutement et la radicalisation, ce qui me frappe aussi pour travailler sur la Libye, c'est que par exemple, sur des villes. Par exemple, la ville de Misrata, qui est une ville au lieu de la résistance à Kadhafi et de la révolution, les jeunes, au sein d'une famille, vont décider comme ça de partir en Syrie, faire le djihad, et de revenir, finalement, même dans leur environnement proche, et de fonder une cellule de Daesh. Vous voyez ? Donc là, en fait, on se dit que c'est extrêmement fragmenté. C'est-à-dire, dans un pays où les solidarités primaires et la solidarité du clan et de la famille sont importantes, ben on a au sein d'une famille. Et du coup, au sein d'un groupe théoriquement soudé, ben on a quelques jeunes qui s'émancipent de l'autorité des parents ou de la famille proche pour aller faire le djihad. Alors, par goût, c'est pas religieux, c'est par quête de l'aventure, etc. Et ensuite, ils fondent leur petit groupe où, par capillarité, ils en attirent d'autres. Donc c'est, même à l'intérieur des pays arabes, enfin, on a des processus extrêmement nouveaux, je dirais, qui sont aussi très difficiles à catégoriser. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à Joseph de l'avoir animé avec moi. On va se retrouver pour, évidemment, cette soirée n'était pas prévue. Celui-là, l'été, on va se retrouver ici à Mediapart le mercredi 25 novembre. On parlera avec un responsable de Podemos des élections législatives en Espagne qui s'approchent. Et puis l'actualité qui était, elle, prévue quand on a prévu cette soirée du 25 novembre. Évidemment, ça sera la COP21. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 heures. À bientôt.